C'est bon. Ok. Voilà, bonjour. Bonne arrivée à tout le monde. Que Dieu bless you. La porte, là, j'ai plus trop de bruit. Ou vous la laissez ouverte. Laisse-la ouverte. Voilà, bonjour, connectons-nous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, bonjour, bonjour, may the Lord bless you in the name of Jesus. The glory of the Lord is upon your life, your lives, your lives. Because you are many of you listening to me. And following this life. May the Lord bless you. We love you so much. And may the Lord grant us favor, his favor, to be as he wants us to be. Voilà, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Alors, on va commencer avec les civilités. On a Lydia Kone, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Christelle Dossé. Voilà. Bonjour à Gaël Wakam. Bonjour à Yannick Le Choix. Mogresha, thank you. Bonjour à Teki, Carole qui écrit Shalom Daddy. Shalom aussi. Richard Toasu Vatvunsia. Bonjour le prophète de l'Éternel. Bonjour à vous aussi. On a idée de l'heure d'Agatha. Shalom depuis Douala. Voilà, bonjour à vous, Agatha. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je vais le menthol. Demandez-moi le menthol, pardon. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs, les likes, les cœurs et les likes, s'il vous plaît, rapidement. Faisons-le pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bien-être de notre direct ce matin. On va parler des choses très, très sérieuses. Des choses très, très sérieuses. Bonjour à Aline Moni Dufay. Ça, c'est l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Donc, avant, c'était Moni Dubois. Moni Dubois, c'est ma fille à l'église. Moni Dubois. Et je lui ai dit l'autre jour, pourquoi le bois? Parce que si le feu attaque le bois, tu vois, le bois risque de se retrouver en difficulté. Et donc, elle a, je lui ai dit, pourquoi pas, par exemple, Moni du fer, voilà. Donc, elle a dit que, je vois ce matin, Moni du fer. Ah, que Dieu te bénisse. Bonjour Nadine Bumbo. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons revenir un peu sur ces histoires de conspiration dans l'église. Et puis, je vais vous parler de quelque chose que je trouve capitalissime pour chacun d'entre vous et pour chacun d'entre nous, la malédiction des citernes crevassées. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie et c'est pour cela que nous aurons le service de lavement des mains. Hein? C'est pour ça que ce mois, nous avons le service de lavement des mains. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Le service de lavement des mains pour combattre contre la malédiction des citernes crevassées. On va revenir sur ça. Bibliquement, c'est quoi la malédiction des citernes crevassées? On va revenir là-dessus. Et l'histoire des conspirations dans les églises, entre les hommes de Dieu. Pourquoi autant de mal? Pourquoi est-ce que l'on se donne autant de mal? Je vais revenir là-dessus. Donc, nous allons faire le tour d'horizon. Et ce vendredi, on a la nuit des flammes du côté de Douala. Voilà, du côté de Douala, la nuit des flammes à partir de 21h. Soyez très nombreux du côté de Douala à être présents.
Et à Yaoundé, nous avons 3 jours de réveil. Nous continuons ce jeudi. Et puis vendredi, ce sera le troisième jour. Et dimanche, la clôture avec un service de lavement demain, qui aura lieu dimanche à partir de 7h30 dans toutes nos églises. Dans tous les cas. Et je serai à Berthois ce dimanche à partir de 7h30, ancien ST. Ancien ST, voilà, au quartier Mokolo 1. Je serai là pour passer le culte avec vous. Et lundi, le 22, je visiterai la prison centrale de Berthois où nous allons prier avec les prisonniers et nous allons partager le peu que nous avons avec eux. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce sera juste une marque d'amour envers nos bien-aimés qui sont de ce côté-là, parce que la Bible nous recommande cela. Que le Seigneur soit ton partage, que sa grâce soit avec ton nom souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, Père, merci au nom de Jésus. Prends contrôle ce matin. Que ta grâce qui surpasse l'or et l'argent nous soit abondamment donnée. Père, tu connais tout ce que ton peuple souffre. Tu sais par quoi nous passons. Tu sais les défis qui sont les nôtres. Père, je prie que le secours soit donné à plusieurs au nom de Jésus. Amen. Mon téléphone là, le téléphone, mon téléphone pour la communication là, c'est où? Hein? Oui, c'est qui a ça? Hein? Donc ça va, elle va m'apporter ça. Oui, je veux le téléphone là parce que je dois prier avec les gens. On veut prendre le témoignage de ceux qui ont été bénis par le lavement, le service de lavement des mains. Parce qu'il y a des miracles extraordinaires qui sont en train de se produire. Dieu va ouvrir les portes dans votre vie. Donc, ton hé dit ami, on doit bertoi, mi wonan bertoi, ta la hoderi, alat warandero. Alat mi wonan bertoi, et min tami won de dugo bémon. Oh, min tori dan mi wonan mokolo en. Ancien ST, hafatu de mokolo en, on waron lout bekadi. Et awara be kolban diamada, min tami lotu go jude amin, min toran, min lota jude amin. Kala sirifu, kala kobe, be happy chin de mako be wadi, de yonki mangam tata ya yesufu, min moinan to allahu. Nous vous bénissons au nom souverain de Jésus du côté de Berthois. Dites que le prophète Kane Ferdinand passera dimanche là-bas. Donc, et je pense que Dieu se manifestera à Yaoundé. Ne dites pas que je ne serai pas là, donc je vais rester à la maison. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'en sortent pas dans la vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ne s'en sortent pas. C'est aussi pour cela que Dieu a pourvu aux prophètes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aussi combattent les prophètes, ou bien, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un prophète. Le téléphone est chargé. Voilà, là c'est bon. Donc, bien-aimés, nous allons résoudre un problème crucial dans ta vie et ta destinée. Toute barrière devant toi, toute limitation spirituelle, je vais renverser ça au nom de Jésus. On va prier tout à l'heure. On va faire une prière puissante avec une action prophétique forte. Et je vais dire que tous ceux qui ont été connectés hier à partir de 17h sont bénis. Vous êtes doublement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis. Oh! Garas Manta ou Dalso. C'est pour qui ça? Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Excusez-moi, je vais le monter d'abord. Vous êtes bénis. Tous ceux qui ont été connectés hier, pendant le culte en direct. Et ce soir, je voudrais encore vous exhorter à vous connecter massivement ce soir à partir de 17h sur cette page. Ça sera le service en direct de délivrance. On va prier ensemble par la grâce de Dieu. J'ai dit que ce soir, chacun en venant attache bien sa ceinture parce que ce sera une soirée de grâce, de délivrance et de restauration. Et puis, une parenthèse, les bouteilles que vous voyez derrière moi là, ça, c'est pas le vin, hein. C'est les champounis. C'est ça là, ça. C'est pas le vin. Ce sont les champounis. Donc, c'était juste une parenthèse, une précision. Que Dieu vous bénisse. Je ne bois pas, je ne bois pas de boisson alcoolisée. Voilà. Donc, que la main de Dieu soit sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le service lavement des mains. Alors, dis-moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont reçu des manifestations de puissance, de délivrance, de restauration, un miracle dans tous les cas dans leur vie. Et donc, nous bénissons Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu fera encore plus. Bien-aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas signer son arrêt de mort. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas signer son arrêt de mort. Non, non. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que c'est un appel à la médiocrité. J'ai toujours dit qu'être chrétien, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme sur la terre. Moi, c'est mon histoire, c'est mon témoignage. C'est la plus belle expérience de ma vie. Être né de nouveau. C'est la plus belle expérience de ma vie. La Bible dit, Oste eitis en Christo, kahine kitisis. Ta archaïa parelten, idu gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, il devient une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées, voici chaque chose est devenue nouvelle. Bien-aimé, les choses anciennes doivent quitter ta vie maintenant, avant la fin de ce direct. Les choses anciennes doivent quitter ta vie ce matin. Toute personne qui se bat avec la vie, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est-à-dire nos familles ne sont pas encouragées à nous suivre dans la voie-ci parce qu'elles ne voient pas de gloire dans nos vies. C'est ça que Dieu nous a dit, que le mois d'août, c'est le mois de la gloire, de la honte à la gloire. Que Dieu te fasse déménager. Toute puissance contraire qui t'a empêché de déménager, nous allons la sabouler, elle sera houspillée. Je parle avec une violence spirituelle redoutable. Rien ne te retiendra dans la médiocrité. Rien ne te retiendra dans la pauvreté. Rien ne te retiendra dans la maladie, dans les malédictions, dans le célibat, etc. En tout cas, quand on parle de prospérité, il faut que les gens comprennent le sens du mot prospérité. Vous savez, il y a des prédicateurs, des conservateurs dans l'église. Et vraiment, on n'a rien contre moi personnellement, je n'ai rien contre ces personnes-là. Il y a des conservateurs dans l'église qui, lorsqu'on parle de prospérité, disent non, 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 l'évangile de prospérité. Mes amis, moi je pense que c'est une histoire d'école aussi. C'est une histoire de terminologie, pas seulement de terminologie, c'est une histoire de sémantique, c'est une histoire de polysémie, c'est une histoire de philologie aussi en même temps. Donc, un chrétien qui n'aime pas entendre parler de prospérité, un prédicateur, mais c'est un problème. C'est un problème. La prospérité est biblique en réalité. Donc, les gens font parfois l'amalgame entre l'évangile de prospérité et l'évangile du matérialisme. La Bible dit, je désire au-dessus de tout que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or, la prospérité de l'âme, c'est la prospérité spirituelle. C'est-à-dire dans la relation qu'on a personnellement avec Dieu. Tandis que tous égards, le reste là, c'est sur le plan scolaire, sur le plan sentimental, c'est sur le plan des affaires, sur le plan des business, etc., etc. L'Église doit atteindre une dimension de gloire qui impose le respect au milieu de sa génération. C'est un peu cela. Mais maintenant, revenons rapidement sur l'histoire des empoisonnements. J'ai parlé de ça et je reviendrai pour t'expliquer ce qu'on appelle la citerne, la malédiction des citernes crevassées. C'est quoi la malédiction des citernes crevassées dans la Bible? Quand tu remarques que dans ta vie, tout semble parfois aller bien, après, pam, tu reviens au point zéro. Les choses commencent à monter, pam, tu rechutes encore. Quand c'est bon sur le plan sentimental, tu te dis, ah, cette fois, c'est la bonne. Oh, je veux me marier, j'ai trouvé mon mari, j'ai trouvé ma femme. Et puis, pam, un jour, quelque chose vient détruire cela. C'est comme si on volait toujours les opportunités de ta vie. C'est un peu comme si tu n'étais pas fait pour réussir. Comme si tu n'étais pas fait pour durer dans ce qui est bien. Comme si tu n'étais pas fait pour durer dans le bonheur. En fait, c'est ça la malédiction des citernes crevassées. On va voir quel esprit est derrière cette chose-là. Et si vous avez expérimenté ça, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, c'est mon cas, prophète. Et je vais prier avec vous. C'est mon cas, prophète. Écris simplement en commentaire, c'est mon cas, prophète. Ça veut dire que si tu te rends compte que ce que tu entreprends dans la vie ne s'achève jamais. Tu commences bien, tu finis toujours mal. Ou alors ta vie est devenue un éternel recommencement. Ou là où d'autres réussissent facilement, toi tu échoues. Alors si tu te rends compte que dans ta vie, tes entreprises, parfois tu te dis, ah je suis arrivé. Et il y a un malheur qui arrive et te ramène dans la réalité d'avant. Et puis ton cœur est toujours attristé parce que tes affaires n'aboutissent pas. Nous allons prier contre cela. Ça veut dire que vous êtes attaqué par la malédiction des citernes crevassées. Il faut que les gens comprennent cela, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent. C'est une réalité. C'est des choses que les gens vivent jour au jour le jour. Et moi, l'un de mes plus grands défis, c'est de banaliser, ça veut dire banaliser un peu les choses qui ont été mystifiées dans l'Église. Amener les gens à comprendre avec un langage d'enfant. Des mystères, des choses redoutables, des choses cachées qui mildiouent et saboulent les vies de plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ça. Prenons seulement le cas sentimental. Il y a beaucoup de déceptions amoureuses dans l'Église. Beaucoup. Du côté des hommes comme du côté des femmes. Il y a beaucoup de déceptions amoureuses. Si vous parlez à nos jeunes femmes de raconter leur histoire dans nos églises, elles vont vous sortir un grand catalogue. Toute une mastodonte de catalogue. Et vous trouverez des candidats à n'en point finir. C'est-à-dire depuis ses 15 ans, elle te cite les hommes qu'elle a rencontrés. Mon ami, c'est une liste non exhaustive. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une liste à n'en point finir. C'est une longue liste. Elle a été avec Jean, ça n'a pas marché. Elle a été avec Jacques,
ça n'a pas marché, elle a été avec Paulin, ça n'a pas marché, elle a été avec Margajul, ça n'a pas marché, etc., etc. Vous voyez. Et la même chose pour les garçons. Si tu demandes à un garçon combien de femmes tu as connues dans ta vie, et il commence à te compter le nombre de ces femmes-là, je vous dis la vérité, on n'en finira pas. Mais pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas au mariage? Pourquoi c'est toujours le fiasco? Pourquoi tes relations sentimentales sont toujours le fiasco? Pourquoi elles aboutissent toujours au fiasco? Pourquoi ça n'en finit pas? Et il y a même d'autres de nos sœurs qui, leur cas, c'est encore pire. C'est pire. Dis seulement, c'est mon cas, prophète. Je vais prier pour tous ceux qui ont déclaré leur cas. Le Seigneur se manifestera. Il te touchera. Ce n'est pas en vain que je viens passer mon temps ici dans le direct. Je cherche la face de Dieu avant de venir ici. Donc, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. La vérité, c'est que quelque chose va se passer dans ta vie avant la fin de ce mois, pendant que nous sommes dans le service de lavement des mains. Sois fidèle. Et ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, j'ai expliqué qu'il est important de se déplacer et venir à l'église. Ça, il faut que vous compreniez cela. Il y a une grande importance que Dieu attache au fait qu'on vienne dans le rassemblement des frères. Ne dis pas seulement, non, je vais rester voir la télé. Non. Ce que tu reçois à la télé, c'est bien déjà, nous rendons grâce à Dieu pour cela, mais ça ne sera jamais comparable avec ce que tu recevras sur place dans la maison de Dieu. Pardon, envoie-moi le cœur. Tu es sur le point d'être délivré de la malédiction des citernes crevassées. Donc, envoie-moi le cœur. Ne soyez pas si ce matin avec le cœur. Envoie le cœur. Appuie seulement comme ça. Tu n'auras pas le panari, dans tous les cas, je te rassure. Appuie régulièrement. Dieu te bénit. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, dis simplement, c'est mon cas. Prenons le cas sentimental, qui est un cas récurrent, c'est-à-dire récurrentiel, qui est un cas qu'on peut globaliser, qui est commun au moins à 90% de chrétiens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est considéré, qui est concerné par le mariage. Mais pour ceux qui ont de la considération pour le sujet marital, allez leur demander le résultat de leurs aventures maritales. Dans l'église, vous comprendrez, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des femmes qui ont investi de toute leur vie dans certains hommes. Et je vais dire aux jeunes femmes, soyez sages et soyez intelligentes. Il y a des hommes malhonnêtes. Il y a plus d'hommes malhonnêtes. Même les femmes, même, il y a des bandits. En fait, le grand banditisme spirituel a attaqué l'église. C'est partout, ça frappe partout. Il n'y a pas d'assemblée qui soit épargnée. Partout, il y a des bandits. Des bandits spirituels. Mais Dieu, à travers le service de lavement des mains, va expulser de ta vie toute personne fausse, toute personne mauvaise, toute personne mal intentionnée. Beaucoup de jeunes femmes sont tombées dans le piège de la séduction des hommes. C'est-à-dire que les hommes ont profité de la naïveté de ces jeunes femmes-là. Les hommes ont profité de leur vulnérabilité. Leur vulnérabilité par rapport au catalogue de leur expérience dans l'échec sentimental. Et puis, le monsieur vient, et vous savez, le plus souvent, lorsqu'une femme rencontre un homme, elle ressent en elle le grand besoin de lui raconter ses déceptions pour trouver en lui une consolation, pour trouver en lui l'atterrissage final, parce qu'elle ne voudrait pas continuer dans l'aventure du déchirement intérieur. Alors elle dit au monsieur, vraiment j'étais avec tel, il m'a fait ceci, j'avais rencontré tel, lui aussi il m'a lâché, tel m'a fait comme ça, tel m'a déçu. Et le gars dit, non, moi je ne te décevrai jamais, tu sais moi, vraiment j'étais même avec Annie, je ne l'ai pas déçu. Et puis après ça j'étais avec Annette, je ne l'ai pas déçu. Et Jacobine aussi, quand je l'ai connue, je ne l'ai jamais déçu. Après cela, même Aminatou, je ne l'ai pas déçu. Et puis, tu te souviens, la Julie, qui croyait là-bas, je ne l'ai pas déçu. Ah, dis, ah bon, donc je ne l'ai pas déçu, toi aussi, je ne te décevrai pas. Mais mon ami, madame, le gars te cite 20 noms de femmes avec qui il a été, qui n'a pas déçu. Les femmes là sont où, tu es la 21e. Mais ça devrait te montrer que c'est un déceveur. Laissez-moi le dire comme ça. Je ne sais pas si ça existe en français. Ça devrait ouvrir tes yeux pour comprendre que c'est un sale type en fait. Même dans l'église, l'honnêteté sentimentale n'existe plus. C'est les bandits. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis, l'honnêteté sentimentale. Je parle d'abord du point sentimental. L'honnêteté sentimentale n'existe plus. Quand tu vois un frère à l'église, le gars a déjà siroté les fesses des filles, il a fait le tour, c'est l'exploration de plusieurs femmes à l'église. C'est rare dans l'église aujourd'hui de rencontrer une sœur qui est seule comme ça. Elle n'a couché avec personne dans l'église. C'est rare de trouver dans l'église un frère qui n'a pas couché avec une sœur dans l'église. Je dis encore, c'est rare. Donc, lorsque tu vas vers un frère, il faut comprendre qu'il y a de grandes probabilités que le frère ait déjà quand même tapoté une ou deux, trois fesses dans l'église. Et les sœurs aussi, quand tu vas vers une sœur à l'église, il faut comprendre qu'il y a de grandes probabilités que la petite ait quand même déjà exploré quelques zizi de l'église.
C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Donc la déception est devenue le pain courant, c'est-à-dire le pain partagé par tout le monde. C'est devenu la chose la mieux partagée. Oh, l'église devrait être l'endroit le plus sûr. Les gens fuient le monde à cause des déceptions. Quand ils arrivent dans nos églises encore, la déception double. Mais Dieu te sauve de l'esprit de la déception au nom de Jésus de Nazareth. Toi et tes enfants, toi le fruit de tes entrailles, je le prophétise, je le déclare, je déclare, je déclare, je déclare, tu dis Amen. Et l'Éternel te sort de toute forme de déception dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie au nom puissant et souverain de Jésus. Maintenant, il faut que les gens comprennent quelque chose. Pourquoi autant de déceptions donc? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pourquoi tes projets ne réussissent pas? On va résoudre ça. Et prépare ta bouteille d'eau pour le servir lavement des mains. On va prier ensemble tout à l'heure. Dieu va intervenir en ta faveur. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te marier? Il y a une malédiction que l'Église connaît peu. Que beaucoup d'hommes de Dieu même connaissent peu. C'est la malédiction des citernes crevassées. Je parle des réalités bibliques. La malédiction des citernes crevassées. C'est quoi une citerne crevassée? Prenons la Bible d'abord. Dans Jérémie 2, verset 13. Dieu te sauve de la malédiction des citernes crevassées. On a eu des parents dans nos familles. Ça peut être même tes parents biologiques, tes géniteurs. Ça peut être des oncles, des tantes, etc. qui vont chez les marabouts. Qu'est-ce qu'ils invoquent? Ils invoquent les malédictions des citernes crevassées contre leurs ennemis ou bien contre leur propre famille. Et donc, quand cette malédiction est dans ta vie, comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment savoir que je suis attaqué, que ma vie est mildiusée par la malédiction des citernes crevassées? Voilà. Jérémie chapitre 2, verset 13. Goria kamina udali saluki, filazo. Lautanta udali barnitao. Père, nos mains sont lavées pour être sauvées, pour être délivrées de cette malédiction dangereuse que beaucoup ne connaissent pas. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Je répète. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Lorsque la malédiction de la citerne crevassée est dans ta vie, tu deviens un esclave. Et Dieu s'étonne. Il demande, est-ce que tu devrais être un esclave? Est-ce que je devrais être un esclave? Pourquoi nous vivons comme des esclaves? Pardon, envoyez-moi le cœur d'abord, avant que je continue. Envoyez-moi le cœur. Pardon, envoyez le cœur, les pouces bleus. Dieu te sort de l'esclavage. Dieu te sort de l'esclavage sentimental, l'esclavage financier, l'esclavage dans tous les domaines, dans tes projets scolaires, étudiantins, au nom de Jésus de Nazareth. Envoyez-moi le cœur. Envoyez le pouce bleu. Envoyez, je déclare la chose, arrive. Car je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Tout ce que je vais demander à Dieu pour ta vie sera exécuté. On n'est pas ici pour bladiner, pour badiner, mes amis. On n'est pas là pour blaguer. C'est très sérieux. Il dit, est-ce que Israël est un esclave? Est-ce que Israël, mon peuple, est-il devenu esclave? Est-ce que mon peuple est un esclave? Non! Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Nous sommes nés dans la maison, mes amis. On est nés dans la maison. Mais pourquoi nous vivons comme des esclaves? Femme, ta vie sentimentale est comme, fait de toi une esclave. Tu mènes la vie d'esclave. Il y a des femmes qui quémantent l'amour. Les hommes aussi. Ta vie sentimentale, celle d'un esclave. Ta vie financière, l'esclavage. Tu travailles comme un éléphant. Tu travailles comme un éléphant. Mais tu moissonnes comme la fourmi. Et écoutez, la malédiction de la citerne crevassée est très dangereuse. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a des personnes qui ont des diplômes, de grands diplômes, mais ne travaillent pas. La question n'est pas, tu peux être intelligent à l'école, mais la finalité, c'est ça qui est le plus important. Tu peux avoir de gros diplômes, mais les mettre en exergue, c'est ça le plus important, bien aimé. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Cette malédiction doit quitter nos vies et nos familles. C'est quoi les citernes? Vous savez, vous connaissez ce que c'est que la citerne. La citerne, à l'époque, on pouvait la creuser dans le sol.
ou la mettre en suspension. Dans la citerne, c'était un vase, un contenant qui contenait de l'eau. Voyez, c'était de l'eau, l'approvisionnement en eau. Alors, si ta citerne est crevassée, si elle est crevassée, l'eau ne sera pas retenue à l'intérieur. Donc, toute ta vie, au lieu de remplir la citerne et de jouir de l'eau de ta citerne pendant des années, tu te retrouveras à remplir la citerne, elle se vide, tu la remplis, elle se vide, tu la remplis, elle se vide, tu la remplis, elle se vide, tu travailles, mais jamais tu n'assouvis ta soif. C'est ça qu'on appelle la malédiction des citernes crevassées. N'avez-vous jamais vu une jeune femme qui est avec un jeune monsieur? Elle connaît le monsieur quand le monsieur n'est personne. Il n'est rien. Elle travaille auprès de ce monsieur. Elle vend même au marché tout son argent. Elle investit dans la vie de ce jeune homme. Le jour où le jeune homme réussit, le jeune homme l'abandonne pour aller prendre quelqu'un qui n'a pas souffert avec elle. C'est ça qu'on appelle la citerne crevassée, la malédiction de la citerne crevassée. Ça veut dire que tu investis, mais d'autres personnes viennent manger à ta place. D'autres personnes viennent jouir de tes bénédictions et de tes grâces à ta place. Que Dieu te délivre de la malédiction des citernes crevassées au nom souverain de Jésus. Là où tout le monde réussit, toi tu échoues. Où c'est facile pour tout le monde, toi c'est toujours compliqué. Ton cas est toujours compliqué. Toute malédiction de citerne crevassée dans ta vie, au nom de Jésus, je la chasse, je la chasse, je la chasse, s'il te plaît, envoie-moi les pouces bleus d'abord et les cœurs. Dis amen en commentaire. Vous savez, lorsque quelqu'un a la malédiction de citerne crevassée, c'est aussi ce qu'on appelle la malédiction des mains percées. La malédiction des mains percées. Quand quelqu'un est sous la malédiction de citerne crevassée, c'est-à-dire la malédiction des mains percées, donnez à la personne 1 milliard de francs CFA. La personne ne fera rien avec. L'argent là va finir sans que la personne n'ait profité. Mais une personne qui est délivrée de la malédiction des citernes crevassées, donnez-lui 100 000. Elle va réaliser avec 100 000 ce que celui qui a 10 millions, mais qui a la malédiction de la citerne crevassée, ne pourra pas faire avec ses 10 millions. C'est-à-dire la personne jouit de ses bénédictions. C'est cela que dans Ésaïe 8, 10, la Bible dit, « Dites que le juste prospérera et qui jouira du fruit de son travail. » Mais celui qui a la malédiction de la citerne crevassée ne jouit jamais du fruit de son travail. Il travaille, mais il ne jouit pas de ça. Il ne mange pas. Il ensemence la terre, mais la récolte, c'est d'autres personnes qui récoltent. C'est ça la réalité. C'est d'autres personnes. Il va à l'école. Tu peux voir un enfant intelligent en classe. Il est toujours premier. Mais à l'examen, il échoue. Il y a des enfants comme ça. Tu vas demander qu'est-ce qui se passe. Non, c'est la malédiction des citernes crevassées. Dans tes entreprises financières, tes projets, tu as des grands projets, des projets excellentissimes. Mais cependant, tu prends ton argent, tu investis là, et l'argent s'engouffre dans la brèche de la malédiction des citernes crevassées, et à la fin, des millions d'investissements sont crevassés d'abord. Tant que cette malédiction, à la base, n'a pas été déracinée, tu peux entrer même dans la richesse, tu vas sortir, tu vas retourner dans la pauvreté. Ça, c'est clair. Tu peux te marier. Le mariage en soi est déjà un succès. On bénit Dieu pour ça. Mais combien se marient pour divorcer? C'est ça le problème. À ce moment, le mariage sert à quoi? Ça sert à quoi de te marier et qu'on te chasse demain? Ça sert à quoi? Donc, tant que la malédiction de la citerne crevassée n'est pas encore détruite dans ta vie, tu peux aller en Bain. Va en Chine si tu veux. Va aux États-Unis, va en France. Tu seras comme un esclave là-bas. Oh, je veux me souvenir, avoir une pensée pour tous mes enfants de la diaspora, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous sorte de la malédiction des citernes crevassées, des mains percées, au nom précieux souverain de Jésus. Que la faveur de Jésus-Christ soit sur toi. Qu'il bénisse ton œuvre au nom de Jésus. Qu'il bénisse ton œuvre. Qu'il bénisse ton œuvre. Qu'il bénisse ton œuvre, l'œuvre de ta main. Qu'il bénisse ta main droite, qu'il bénisse ta main gauche. Qu'il te rende prospère à tous égards. Cette année, qu'il te sauve de la malédiction des citernes crevassées. Que ton Dieu se souvienne de toi. Que le Dieu de ton Père se souvienne de toi. Que la main de ton Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel console ton cœur. Vous savez, c'est une malédiction qui brise le cœur. Elle brise le cœur. Fais le bilan de ta vie. À cet âge, tu devrais avoir ta maison. À cet âge aussi, tu devrais avoir le chez toi. À cet âge, tu devrais déjà être quelqu'un. Tu vas avoir un nom. Mais pourquoi est-ce que ta vie est un éternel recommencement? Et c'est dans l'église qu'on voit encore cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes comme des esclaves? Que Dieu brise cette malédiction dans nos vies. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Elle dit non. Car mon peuple a commis un double péché.
Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Dieu est une source d'eau vive. Mais de cette eau qu'on puise et qu'on met dans les citernes, tu as l'église, tout le monde prospère. Toi, tu ne prospères pas. Pourquoi? Malédiction des citernes crevassées, des mains percées. Vous savez, lorsque cette malédiction est dans ta vie, tu peux être en contact avec des personnes bien placées, des personnes riches, des personnes qui peuvent te donner des opportunités à toi aussi avoir un certain style de vie. Mais tu ne profites jamais de ce genre de personnes. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. C'est-à-dire que c'est le neveu du président de la République. Mais le président n'a jamais pensé à lui. Il n'a même travaillé, il ne travaille pas. Oui, c'est ça la réalité. Oui, c'est le neveu de tel. Ou même c'est le fils de tel. Ton père peut être même président de la République. Mon ami, si tu es sous la malédiction de la citerne crevassée, il va t'oublier. C'est-à-dire que les gens de bien t'oublient. Ça, c'est les effets, les effets secondaires et tertiaires de la malédiction des citernes crevassées. Tu côtoies des grands, mais ces grands ne tombent pas dans leur programme. Tu côtoies des grands, mais ne pensent pas à toi. Tu leur donnes tes dossiers, ils oublient ça. C'est-à-dire qu'on met toujours tes dossiers dans les armoires et la moisissure attaque tes dossiers là-bas. Tu marches avec des gens qui suffit d'un coup de téléphone, ils changent ta vie. Il suffit seulement d'un petit chèque là, ils signent là, ta vie change. Mais il n'arrive pas à le faire. Il y a une force qui l'empêche de le faire. C'est la force de la malédiction des citernes crevassées. Pourquoi? Parce que tes mains ont été percées. Une femme qui a les mains percées, même si elle est mariée à un homme riche, ou bien, bon, même pas seulement riche, hein, c'est dans un couple. Une femme, si tu épouses une femme qui a les mains percées, tu es mort. Don't die. Tu épouses un homme qui a les mains percées, tu es mort. Tu es mort. Je vais vous expliquer. Pourquoi tu es mort? Tu es mort! You are a dead man. You are a dead man. You are a dead person. Voilà pourquoi quand tu veux te marier à quelqu'un, rassure-toi, dis-lui, montre-moi tes mains. Regarde ses mains spirituellement, hein, pas physiquement. Parce que quand c'est percée là, tu ne peux pas voir ça physiquement. Une personne, tu épouses une femme qui a la malédiction des citernes crevassées, ton mariage n'aura jamais de succès. Vos entreprises vont aller à l'eau à cause de cette femme. Parce que ce sera une mauvaise personne pour ta vie, pour tes affaires, pour tes projets. Tu épouses un homme, madame, qui a la malédiction des citernes crevassées. Ta vie, qui allait sale à l'heure, va commencer à rétrograder. La danse va faire. Un pas devant, dix derrière. Comment savoir qu'une personne a la malédiction des citernes crevassées? C'est lorsque, en t'associant à la personne, ta vie commence à faire la danse va faire. Demandez-moi ce que c'est. Tu commences à rentrer en arrière. Il y a des personnes. Tu les rencontres, tu les associes à tes affaires meurent. Donc, soyez très attentifs. D'abord, toi-même, on ne sait même pas d'abord quel est l'état de ta main. Montre-moi même d'abord ta main. Parfois, regarde même toi-même d'abord tes mains, c'est de gros trous comme ça, de gros, gros trous dedans. Toi-même, tu ne t'en sors pas. Mais c'est sérieux. Donc, il y a des gens qui ont la prospérité. Ils n'ont pas de malédiction de citernes crevassées. Tout ce qu'ils font réussit. Un jour, tu croises une femme, tu dis que tu l'aimes. Et bizarrement, tu te rends compte que tes boutiques commencent à se fermer l'une après l'autre. Tes voitures commencent à tomber en panne. Tes employés commencent à t'abandonner. Les gens commencent à te détourner d'énormes sommes d'argent. Depuis, et tu te rends compte que c'est juste au moment où tu as croisé cette femme que cette chose a commencé à se manifester dans ta vie. Brother, run. 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 Ne m'attends même pas, run d'abord. Fuis d'abord. On va s'expliquer après. Tu vas m'expliquer tes remarques après. N'attends même pas que j'arrive pour me dire, papa, j'ai remarqué tes choses. Fuis, run, disparaît. Signal, bloc, fuis. Tu la vois, fuis. N'explique rien à personne. Tu la vois marcher, run. Go, fuis. Tu mets dans la voiture, sors dans la voiture, fuis. Si la voiture même, tu te rends compte, la voiture ne sera pas rapide. Va pas vite. Fuis, go, run. Sauve ta vie. La Bible dit, sauve-toi pour ta vie. Tu te rends compte que, madame, ta vie était bien. Ton commerce était fleurissant. Quand même tu avais acheté ton terrain, tu as commencé la construction de ta maison. Et depuis que le type s'y est entré dans ta vie, le ciment tu n'as plus. L'argent pour les papiers, il n'y a plus. La construction s'est arrêtée. Les marchés publics que tu avais, tu ne les as plus. Tes affaires qui fonctionnaient, ça ne fonctionne plus. Les grâces que tu avais, ça ne va plus. Run! Run! Go! Fuis! Fuis! C'est partant! Fuis! Le gars était lépreux. Il a la lèpre spirituelle.
Il souffre de la malédiction des mains percées. Et tes mains sont contaminées. La lèpre est contagieuse. C'est les MST, les maladies spirituellement transmissibles. Fuis avant que le pire n'arrive. Fuis avant que tu ne meurs même. Parce que c'est une malédiction qui ronge tes grâces. Elle peut ronger même ta vie. Parce que la longévité est une richesse. Et la malédiction de certaines crevassées peut attaquer ta longévité. Tu meurs tôt. Voilà pourquoi dès les premiers signes, ronne. N'est pas en fuis. Fuis! Je te croise en route, je te mets dans ma voiture, je mets 180 km/h. On fuit aussi, il faut sortir, Yaoundé, on sort. Vaut mieux sauver ta vie que de t'associer à une personne qui souffre de la malédiction des certaines crevassées. Il y a des gens, tu les associes à ta vie, tes projets meurent. Tes projets meurent. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Fais attention à ta vie. De toi-même d'abord, vérifie ta main s'il n'y en a pas. Parce que peut-être c'est même toi qu'on va même fuir. Donc si tu me vois, tu vois que je sors le mur, vraiment, il n'y a pas de prophète dedans, mon ami. C'est sauveur qui peut. Tu me vois comme ça, j'entre dans le champ, tu vois seulement comment les maïs sont en train de s'aplatir. C'est que je fuis tes mains. C'est ça la vérité. Une personne qui a les mains sauvées de la malédiction de certains crevassés, qui se marie à une personne qui a été sauvée de la malédiction de certains crevassés, les deux vont prospérer. Même s'ils se sont mariés, qu'ils lavaient les toilettes des gens, ils deviendront des milliardaires. Parce que personne ne peut devenir riche dans cette vie, quel que soit le domaine, s'il n'a pas été délivré de la malédiction des citernes crevassées. Et c'est pour ça qu'on va prier ce matin avec de l'eau. Prends ton eau, on va prier ensemble, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la faveur de Jésus-Christ sera sur ta vie, et je sais que Dieu se manifestera avec puissance. Prépare ton eau, dis Seigneur, je ne veux plus de malédiction des citernes crevassées. Seigneur, sépare-moi de la malédiction des citernes crevassées. Ma vie, ma famille, moi-même, Seigneur, nous sortons de la malédiction des citernes crevassées, des mains percées. Est-ce que tu es prêt? Nous allons poser un acte. Oh, merci. J'ai compris beaucoup de choses. Ça, c'est Stacy Love qui le dit. Hein. J'ai compris beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, les prophètes, on est dangereux. Les gens ont peur de nous. Ah, il y a les gens qui ont peur de nous. Les actes prophétiques que nous posons là, c'est pour une raison. Dieu doit te délivrer de la malédiction des citernes crevassé. Ce mois, tu dois entrer dans la gloire. Personne ne peut entrer dans la gloire. Tu ne peux pas jouir de tes richesses tant que tu n'es pas sauvé de la malédiction des citernes crevassées. C'est pas possible. Les gens se posent des questions, n'est-ce pas? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Seigneur, je n'arrive pas à me marier. Pourquoi je me suis marié? Une fois, je suis sorti. Deux fois, je suis sorti. Trois fois, je suis sorti. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entreprends tout? Ça échoue. Mais l'autre fait comment pour réussir? Mon ami, regarde ses mains. Si tes mains sont percées, tu ne peux pas réussir. Que Dieu te sauve de la malédiction des certaines crevassées. Et le mal dedans, c'est quoi? C'est que tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas du tout paresseux. Tu es un travailleur, mais tu ne t'en sors pas. Moi, je vous dis quelque chose. Un jour, je voyageais. J'ai vu des mamans, oh mon Dieu. J'ai vu des mamans assises, petit marché et Mimboman. Petit marché Mimboman. Des mamans assises. À vendre la banane. Elle vendait la banane sous la pluie, la nuit, vers 2 heures du matin. C'est-à-dire, elle arrive au marché le matin, jusqu'à 2 heures du matin. Elle est en train de vendre la banane. J'ai secoué la tête. Mais cependant, je connais aussi l'histoire d'une maman à Essos qui vend la banane. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Elle est bailleresse. La même banane que d'autres femmes vendent comme des esclaves. Elle a vendu la banane. Dans l'argent de la banane, elle a acheté un terrain. Elle a construit sa maison. Elle a construit sa maison. Elle a construit sa maison avec la banane. Donc le problème n'est pas l'activité que tu fais. Le problème c'est les citernes. Tes citernes sont crevassées ou tes citernes sont bonnes. C'est ça le problème. Le problème n'est pas l'activité. N'importe quelle activité que tu fais peut faire de toi un milliardaire. C'est ça la réalité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne subit d'aucun chagrin. Bien aimé, prenons l'eau. On va prier. Prends de l'eau. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je me lève contre la malédiction des citernes crevassées. Père, je déclare par ta main et par ton alliance dans ma vie et par la foi que moi et mes bien-aimés nous avons en ton nom. Assez, c'est assez. Trop de moqueries, trop de mépris dans nos vies, trop d'insultes,
dans nos familles non chrétiennes. Seigneur, nous avons travaillé, mais comme des esclaves. Nous n'arrivons pas à moissonner. Je prie pour toute famille connectée en ce moment qui n'arrive pas à moissonner, qui travaille sans moissonner, qui travaille en pleurant, qui pleure parce que le résultat n'est pas là, parce que les résultats ne sont pas là. Des parents qui investissent des millions dans leurs enfants et qui pleurent à la fin parce que tout l'investissement est jeté à l'eau. Les enfants deviennent délinquants, ils deviennent des bandits, Seigneur, des prostituées. Je prie que ces choses s'arrêtent par ce service d'eau au nom de Jésus. Père, comme tu as lavé les pieds des apôtres pour qu'ils aient possession de tout endroit qu'ils visiteraient et que la chose y arrivait, je déclare au nom de Jésus sur toutes ces eaux qui sont levées devant l'Éternel, le Père des esprits de prophètes, en tant que ton prophète et comme tu veilles sur la parole de tes serviteurs les prophètes pour l'exécuter. Seigneur, par cette eau, nous mettons un terme aux malédictions de certains crevassés dans nos vies. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en Europe, en Asie, ceux de la diaspora qui souffrent là-bas, qui pleurent, Seigneur, qui pleurent, qui vivent comme des esclaves, qui sont méprisés, que l'honneur soit restauré dans leur vie. Que l'honneur soit restauré dans leur vie. Pour tous ceux qui sont piétinés par cette malédiction, dans leur vie sentimentale, assez c'est assez. Assez c'est assez. Père, que tes anges soient envoyés pour briser les malédictions des citernes crevassées. Des citernes crevassées. Et qu'à partir d'aujourd'hui, après ce service de lavement de main, que chacun jouisse du fruit de son travail. Chacun jouisse du fruit de son travail au nom de Jésus. Père, je prie, tous ceux qui ont écrit, c'est mon cas, tous ceux qui l'ont écrit en commentaire, qu'un ange puissant descende où ils sont maintenant. Maintenant, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, un ange te retrouve où tu es maintenant. Que les anges descendent dans vos maisons. 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 Recevez la visitation angélique maintenant. Et cet ange brise la citerne crevassée de ta vie. La citerne crevassée de ton mariage. De tes affaires. De ta carrière. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ô toi qui m'as appelé dès le sein de ma mère. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Libère des anges. Que les anges descendent. Pour nous délivrer des citernes crevassées déposées dans nos vies par la sorcellerie, par Satan, au nom de Jésus. Père, tu connais tous ceux qui souffrent, qui pleurent, qui sont à genoux pendant que je prie, qui sont en train de pleurer, qui disent « Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, ô Dieu, car c'est mon cas, car c'est mon cas, car c'est mon cas, car c'est mon cas. » Père, délivre-nous. Délivre-nous et rends-nous prospères. Tu m'as dit que ce mois d'août, c'est le mois de la gloire. Nous voulons cette gloire. Nous voulons cette gloire. Que cette gloire touche nos vies maintenant. La gloire de Dieu dans tes affaires. La gloire de Dieu dans tes projets. La gloire de Dieu dans l'œuvre de ta main. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La restauration au nom souverain de Jésus. Naras menoraida. La inau dolsao. J'ai vu une famille comme la famille Mandana. 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 Trop de souffrance dans votre famille. L'Éternel me dit de dire la gloire entre dans votre famille. Il y a un ange qui est entré chez vous maintenant. Il y a les gens qui vont ressentir la présence de l'ange physiquement. Ce n'est pas les yeux. La présence des anges. Tu vas entendre un bruit dans ta maison. Une présence dans ta maison. Tu vas sentir que quelqu'un vient d'entrer dans ta maison. D'autres seront saisis par l'onction. Par l'onction. Une onction puissante. Comme l'électricité. Pam! D'autres se retrouveront par terre pendant que je prie. D'autres vont ressentir leurs mains chauffées. La main chauffée. Parce que l'onction de cette prière va attaquer la malédiction des mains percées. Tes mains qui ont été percées au nom de Jésus seront remplacées. Et des mains normales, des mains bénies sont sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu toucheras prospérera. Tout ce que tu touches prospère. Je le déclare au nom de Jésus. Quelle que soit la pratique de sorcellerie, l'autel de sorcellerie contre ta vie. Je brise cet autel. Que mon manteau parle en ta faveur au nom souverain de Jésus. Cette année ne finira pas. Ce mois ne finit pas sans que Jésus-Christ n'était sorti de la malédiction de certains crevassés pour t'établir dans la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Père, manifeste ta gloire. Que cette eau soit sanctifiée. Que ton nom y soit invoqué. Maintenant, comme nous lavons nos mains, Seigneur, nous sommes délivrés
de la malédiction des citernes crevassées. Dans tous les plans. À partir de maintenant, la prospérité s'attache à nous et le succès. Dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prends de ton eau, verse-la. Dans un récipient. Ou alors tu peux laver directement tes mains. Ça dépend d'où tu te trouves. Moi, je suis ici. Et là, je mets ma cuvette comme ça. Merci Seigneur. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, je lave mes mains dans le nom précieux de Jésus et je sors de la malédiction des citernes crevassées. Conformément à cette parole que ton esprit nous a dite, ô Dieu, l'échec, les blocages, les pleurs, la déception due aux citernes crevassées, quitte ma vie, quitte la vie de ton peuple, quitte nos familles, quitte nos mariages, nos affaires, nos projets, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Père, par cette eau sainte, par cette eau ointe, dans le nom précieux de Jésus, aucune malédiction ne résiste, aucune imprécation ne résiste, aucune sorcellerie ne résiste. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, je déclare en tant que ton serviteur, tous ceux qui y participent, Seigneur, leur vie ne sera pas une honte éternelle. Leur vie ne souffrira pas pour l'éternité. Aujourd'hui, ils sont séparés de toute malédiction, de limitation spirituelle, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Père, tout homme, toute femme, tout enfant, tout jeune homme, dans le monde entier qui vient de poser cet acte prophétique, je déclare et je prophétise la restauration dans sa vie, la restauration dans sa vie sentimentale, dans ses projets, dans ses affaires. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, rien ne te résistera à partir d'aujourd'hui. La malchance quitte ta vie, la malchance quitte ta vie, la malchance quitte ta vie, la poisse quitte ta vie, l'esclavage quitte ta vie. Dieu te donnera un mari glorieux. Dieu te donnera une femme glorieuse. Je déclare que tout ce qui était de l'esclavage sorte de vos vies. À partir de ce matin, la gloire, tout sera glorieux pour toi. Dieu te donnera une femme glorieuse, un mari glorieux, un succès glorieux, une prospérité glorieuse. Dans le nom précieux de Jésus, un travail glorieux. Dans le nom précieux de Jésus, Père, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que ton nom est glorifié. Merci parce que ta puissance est révélée. Et merci parce que ton peuple est sauvé. Ce matin, Père, merci pour les témoignages que tu ne cesses de multiplier. Joyeux mariage à un célibataire. Joyeux mariage, joyeux mariage. Joyeux mariage aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Oh là là, je célèbre ton premier milliard au nom de Jésus. C'est prophétique. S'il te plaît, dis-moi amen. Dis amen, dis amen en commentaire. Je célèbre ton premier milliard. Tu dis amen, ça va arriver. Ça va arriver, ça commence maintenant. Je célèbre ton premier milliard. Je célèbre ton mariage. Je célèbre ton premier milliard. Je prophétise ton premier milliard au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Joyeux mariage, je célèbre ton mariage. Tu te marieras et tu ne sortiras plus jamais. Tu te marieras pour ne pas sortir. Tu te marieras et tu ne divorceras pas. Tu te marieras et l'éternel te rendra prospère. Je célèbre ton premier milliard. Homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant. Je bénis ton œuvre. Je bénis ta main droite. Je bénis ta main gauche. Je te bénis. Les sorciers sont confus. Ceux qui t'ont confondu sont confus. Leur saison de confusion a commencé. Et ta saison de gloire a commencé. Je bénis ta main. Toi qui es en Europe. Toi qui es en Asie. Toi qui es dans un pays qui n'est pas ton pays. Et qui est bloqué, le blocage vient d'être renversé. Je chasse la malchance de ta vie. La malchance sort de ta vie. Plus de malchance, plus de malchance. Par le service de lavement de main qu'on vient de faire, toute mauvaise personne, voleuse de destinée, profiteuse de grâce, sort de ta vie. Dieu te déconnecte aux mauvaises personnes et il te connecte aux bonnes personnes. Dans le nom de Jésus, la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère n'aura pas d'effet sur toi. Ce service de lavement de main est si puissant, si redoutable, qu'aucune malédiction ne te résistera. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire.
Tu iras de gloire en gloire, s'il te plaît, donne Amen. Envoyez-moi le cœur, envoyez le cœur. Envoie le cœur. Tu iras de gloire en gloire. Tu n'iras plus de honte en honte. Tu n'iras plus de honte en honte. Tu n'iras plus de déception en déception. Tu n'iras plus d'échec en échec. Je déclare et je me tiens à la brèche. Tu iras de gloire en gloire. Par ce service d'eau, Père, tous ceux qui lavent leurs mains maintenant, tous ceux qui laveront leurs mains après, même après 1000 ans, l'onction dans ce direct restera la même. Elle sera la même. Elle sera statique pour tout le monde. Tous ceux qui lavent leurs mains au nom de Jésus-Christ, dans la foi, dans le nom de Jésus le Sauveur, l'Éternel manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Ceux qui se sont moqués de toi, rendez-vous d'ici la fin de cette année. Ils sauront que nous servons un Dieu vivant dans les cieux. Je prophétise la fête, la saison de fête dans ta vie. Une saison de fête, une saison de fête, une saison de fête, une saison de fête, une saison de fête dans le nom puissant et souverain de Jésus. Ceux qui t'ont connu comme une pleureuse, comme un pleureur, seront étonnés. Ils seront étonnés, seront déçus dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Glaspera wa inas manos in frozei gurnita udalstaka farosna 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 ta gloire au nom de Jésus. S'il vous plaît, les numéros sont là. Tu peux appeler, tu peux appeler. Dis-moi ce qui s'est passé dans ta vie. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Garas manta udaloza blastao au 672 13 03 23 672 13 03 23 672 13 03 23. Dites-nous ce qui s'est passé. Ou alors, tu peux aussi appeler au 600. Tu peux aussi appeler au 692 40 71 86 692 40 71 86. C'est sur mes WhatsApp en même temps. Tu peux appeler. Appelle en direct. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que tu le fais, la gloire de Dieu est sur toi au nom précieux de Jésus. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. C'est pour bonjour, papa. Oui, c'est pour un témoignage. Papa, c'est pour quand vous priez pour nous, papa. D'accord, quel est le sujet? Allô, papa. Oui, allez-y, quel est le sujet? Je vous suis, quel est le sujet de prière? Papa, c'est pour le célibat, papa. C'est pour le célibat, ma famille et moi, papa. Ça va, vous avez lavé la main, c'est déjà accompli. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, papa. Oh là là, c'est accompli, c'est accompli. S'il te plaît, appelle, appelle, appelle en direct. Appelons en direct. Voilà les numéros qui sont affichés. Appelons en direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Daddy. Bonjour. Ça a pris mon corps, j'étais obligé de m'asseoir. Ah, vous étiez obligé de vous asseoir? Oui, pour ne pas tomber. Ah là là, maman, c'est une grande délivrance que le Seigneur vous a accordée. Vous voyez que... Jusqu'à maintenant, je ressens encore ça comme des fourmillements au niveau de mes pieds. Oui. Et tout d'un coup, vous savez, je vais vous raconter en 30 secondes ce qui m'est arrivé. L'année dernière, j'ai perdu mon compagnon. Mm-hmm. On devait se marier. Et après, j'ai eu un frère qui m'a donné un commerce, mais à chaque fois... que j'essaye de me relever, ça retombe. À chaque fois, ça retombe. Mais aujourd'hui, je suis sûre que, et je suis convaincue d'être délivrée. D'accord. C'est fait. L'onction qui vous a touché, c'est la délivrance. Quand vous ressentez cela, ça veut dire que vous êtes visité par l'ange de la délivrance et c'est accompli au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Raccrochez, raccrochez. Ok, aidez-moi à raccrocher, pardon. Voilà, parfait. Oh, vous voyez, les gens, elle dit qu'elle est sur le point de tomber, elle s'est assise parce que c'était mauvais sur elle là-bas. Elle ne pouvait pas rester debout de peur de tomber. Vous voyez que l'onction de Dieu agit même à distance. Donc, allons-y, le réseau dérange vraiment ce matin. Hein? Le réseau dérange. Ok, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon prophète. Oui, bonjour, vous appelez du Burkina Faso, c'est ça? Oui, oui. D'accord. C'est pour un témoignage? Oui, oui, mon père. Ok, racontez-nous, s'il vous plaît. Oui, et j'avais un mal de tête. Hier, c'est moi, j'avais appelé. Mm-hmm. Oui, et j'ai eu le mal de tête là. C'est dans un rêve, j'ai vu
où je marchais. Et puis, brusquement, il y a une femme qui s'est apparue comme ça devant moi. Oui. Oui, oui. Donc, il m'a jeté quelque chose. Donc, la femme était habillée comme les non-croyants. Mm-hmm. Vous voyez comment elle se voile. Donc, elle s'est apparue devant moi. Donc, elle m'a dit que j'ai une épouse. Elle aime sortir avec les gars. Comme papa, tout le monde vous aimait parler. Vous avez dit qu'il y a des femmes même qui sortent même avec des pasteurs. Oui. Donc, que Dieu mes parents, je n'étais pas là-bas, mais c'est la vie des gens. Donc, elle sort même avec les pasteurs. Et moi-même, je la crois tout le temps avec des hommes. D'accord, va aller vite à cause du temps. Oui, oui. D'accord. Donc, j'ai parlé avec mon mari. Et il m'a répondu, il me dit que prochainement, si je la vois, de la prendre photo dans mon téléphone ou bien de m'arrêter à côté d'elle et puis l'appeler. D'accord, sans problème. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour la délivrance de notre sœur au Burkina Faso, nom souverain de Jésus. Que ta grâce qui surpasse l'or et l'argent lui soit abondamment donnée. Son foyer est restauré au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Dis-nous, il y a des témoignages, il y a des messages aussi. Des messages qui sont en train d'arriver. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour, prophète. Oui, bonjour. C'est pour un témoignage? Oui, prophète, c'est pour un témoignage. D'accord, allons-y, s'il vous plaît. Oui, prophète, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai posé les mains sur l'écran. Mm-hmm. Et j'ai senti des violents maux de tête. Oui. Et après, c'est parti. D'accord. Écoutez, ça veut dire que c'est la délivrance. Parce que l'onction se manifeste où elle trouve un problème. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous rende prospère au nom souverain de Jésus. Votre vie vient d'être préservée de la malédiction des cités crevassées. Oui, prophète, et je voulais également une que vous priez pour moi. Non, l'action qu'on a posée, c'est dire bon, j'ai déjà prié pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, voilà. Donc, avec une action forte comme celle-ci, vraiment, je m'attends plus à ce qu'on me demande la prière ce matin. Allô, bonjour. Ok, c'est qu'il y a tellement d'appels en même temps que... Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe encore? Allô? Allô, vous dites? Oui, je dis que les hommes de Dieu nous ont amenés à parler mal de vous. Mm-hmm. Et je me repense ce matin, je vous demande pardon. D'accord. Moi, c'est la sœur Péto Fortune. D'accord. Oui, papa, il y a quelque chose qui me galvanise dans votre façon de faire. Oui. Papa, j'aimerais que vous éleviez la voix à l'Éternel, que l'Éternel me donne le rhéma. Parce que vous avez vraiment le rhéma, la parole de Dieu. Mm. Oui, papa, ça m'a... D'accord, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Et je veux dire à tous nos téléspectateurs que, méfiez-vous, il y a tellement de faux profils Ekané Ferdinand sur Facebook. Tous les profils Ekané Ferdinand qui vous ont envoyé des invitations, ce n'est pas moi. On vous demande l'argent en direct, on vous vend les huiles et bien d'autres choses, ce n'est pas moi. On demande l'argent pour la prière, ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Je ne cause pas avec les gens sur Facebook, non. L'huile de faveur, c'est dans nos églises, ce n'est pas en ligne. Méfiez-vous. Et j'ai dit qu'il y a plein de faux comptes à mon nom. Tellement de faux comptes sur Facebook à mon nom. Donc, s'il vous plaît, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les Ekané Ferdinand qu'on voit sur Facebook, là, la plupart, ce n'est pas moi. Ma page, nous avons plus de 100 000 abonnés. On a plus de 100 000 abonnés. Donc, regardez la page où il y a plus de 100 000 abonnés, là. Ça, c'est ma page. Mais les autres pages, là, c'est pas moi. Tous les profits qui vous envoient des invitations, dont Ekané Ferdinand, vous voyez, Ekané Ferdinand, on vous envoie l'argent, on vous demande l'argent, on vous demande les offrandes. Méfiez-vous, ce n'est pas le prophète Ekané Ferdinand. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un en direct. Et je dis aussi aux jeunes femmes, tous les profits Ekané Ferdinand qui vous demandent des photos, des vidéos de vous nus, c'est pas moi. Méfiez-vous. C'est des arnaqueurs qui utilisent mon nom pour frapper les gens. Donc soyons sages, s'il vous plaît. Voilà, on a un témoignage ici, Sira Koulibaly. Je suis musulmane. Je crois en Jésus-Christ. Quand j'ai mis ma main sur l'écran, voilà, elle a mis la main sur l'écran.
Elle a ressenti comme le courant. Que Dieu la bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Papa, pendant la prière, j'ai ressenti sur tout le corps une sensation de fraîcheur. Là, c'est Laon Urigo qui le dit. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Peut-être la dernière personne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Allô? Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? 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 Ok. Allô? Allô? J'étais dans le cas de certains Allô, crevassés bonjour, après la prophète. prière et le lavement des mains. J'ai des tremblements de jambes. Bonjour, Merci, Daddy. Là, prophète. c'est Roger Rosaria. Que Dieu bénisse. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, prophète. Oui, bonjour, vous appelez d'où? Allô? Oui, vous appelez d'où, s'il vous Allô? plaît? Ok, on va continuer demain. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Connectons-nous massivement ce soir, s'il vous plaît, pour le grand direct qui aura lieu tout à l'heure à partir de 16h. Pour le grand direct. J'ai la représentante. Où est le numéro? J'ai une représentante, Mama Bema. Nous avons une représentante officielle en France. C'est Mama Bema Albertine. Mama Bema Albertine. Donc, il faut. Vous pouvez l'appeler, je veux son numéro. Afficher son numéro. Je veux son numéro ici. Mama Bema Albertine, c'est la seule représentante en France que j'ai et qui distribue l'huile de faveur du côté de l'Europe. Malheureusement, je ne peux même pas entrer dans mon WhatsApp à cause des appels. Mireille, il ne faut pas bouger, il faut attendre. Mama Bema Albertine, donc, oh là là, je ne peux même pas manipuler mon téléphone, sincèrement. Voilà, Mama Bema, c'est la seule. Tu n'as pas son numéro, Mama Bema? Donc, nous avons Mama Bema Albertine, elle est du côté de France, de la France. C'est la seule représentante officielle de Rema Ministry Mission là-bas, en Europe. Et c'est elle qui a l'huile de faveur pour tous ceux de la diaspora. Donc, pouvez-vous rapprocher d'elle. Mama Bema Albertine. Oh. C'est que je n'arrive pas à retrouver son numéro dans mon répertoire. Parce que les gens appellent. Voilà. Donc, voici son numéro, hein. Mama Bema Albertine. Là, voici. Ça, c'est elle ici. Ouais. Oui. Donc, voici son numéro. Mama Bema Albertine. C'est le plus 33 663 31 99 65. Plus 33 663 31 99 65. C'est le numéro de Mama Bema Albertine. Hein? C'est quoi? Hein? Ah bon, hein? Donc, voici son numéro. On dit que là, c'est son numéro personnel. S'il vous plaît, plutôt celui-ci. 00 337 684 899 28. 00 337 684 899 28. Voilà, que Dieu bénisse. C'est la seule représentante. Tout le reste, tous ceux qui vous écrivent sur Facebook, les profils Ekane Ferdinand, Ekane Ferdinand, c'est pas moi, faites attention. Nous avons un seul profil et entrez dans le profil. Regardez combien d'abonnés il y a. Nous sommes à combien d'abonnés déjà? On est peut-être à 130 000 abonnés déjà, je crois. 130 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, vous regardez cette page-là, c'est elle ma page. Demain, s'il vous plaît, soyez là, à temps, pour le lavement demain. Et ce soir, tous ceux qui seront connectés à partir de 17h seront bénis. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette page. Et regardez ce que Dieu fera dans votre vie aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Les premières 1 000 personnes qui vont s'abonner, l'Éternel vous surprenne avant le coucher du soleil, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne journée et je vous souhaite le meilleur.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit votre guide et votre gardien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom.